Et bonsoir à tous, coucou Kila, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour la suite de Persona 4 Golden, épisode 29 déjà, épisode 29. Où on va y avoir plein de reveals, tout ça quoi. Voilà, ça annonce un peu. Un peu fatigué, mais ça me faut te reposer. Faut te repousser. Alors ça y est, la fin de P4. Alors, pas forcément la fin. Il nous reste encore des petites choses. Mais disons que ça va être un gros morceau, quoi. Ça va être un gros morceau. Souvenez-vous, la dernière fois... Ça date. La dernière fois, on avait fait deux mauvaises fins. On avait continué un petit peu. Et on a appris quelques vérités par rapport à Namatame. Souvenez-vous de ça. C'était... Voilà, et disons que là, ça va continuer, en fait. Là, ça va continuer. On aura peut-être ce soir le nom du tueur. Voilà. Pour vous donner une petite idée. Peut-être, hein, je sais pas. Mais vu comment c'est parti, je pense. Je pense que c'est ce soir, le reveal du tueur. Voilà. Sachant que il nous reste encore deux mauvaises fins à avoir. Il nous reste deux mauvaises fins. Donc on va les faire. On va les faire et puis après on fera la vraie ending. La true ending, comme ils disent. Alors on n'aura pas accès à la fin normale. Parce que... Si on accède à la fin normale... Ouais non, on peut pas. Ah si, on peut. Mais il va falloir revoir un peu trop de choses. Donc on fera pas la fin normale. On fera plutôt la fin... la véritable fin. Mais bon, au final, la fin normale est comprise dans la véritable fin, quoi. Donc voilà. Mais c'est peut-être pas pour tout de suite, hein, la fin. La fin, je veux dire. Par contre, les deux mauvaises fins, là, si c'est pour tout de suite. Voilà. Pour les expliquer. Je sais pas combien de temps il dure encore le jeu, mais disons que là on est à 86 heures. Donc on se rapproche. Et donc là, ce que le jeu nous demande de faire, c'est d'interroger tout le monde dans la ville. Même si on sait très bien que c'est Adachi, n'est-ce pas? Bon, on sait très bien, c'est pas dit, mais voilà. On s'en doute. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc écoutez, on se met en plein écran. Et puis c'est parti. Oui. Voilà, techniquement, je pense pas qu'on puisse faire grand chose. Vous devriez vous reposer pour préparer l'enquête de demain. Ben c'est parti. Vous devriez vous coucher tôt aujourd'hui et vous tenir prêt à enquêter demain. Allez dormir. C'est parti. 5 décembre. Aujourd'hui est le jour où l'école a été fondée. Vous n'avez donc pas cours. Ah bah tiens, dis donc. Ça tombe bien ça, qu'on n'ait pas cours ce jour-là. Bizarrement. Vous devez enquêter sur la ville. Sachant qu'il y a toujours le brouillard. Vous demandez si vous serez en mesure de rassembler les informations nécessaires pour attraper le tueur. Comme par hasard, t'as vu? Évidemment. Mais c'était sûr. Ah, puis oh, cette OST, c'est vrai. Oh, cette OST glauque. Elle m'avait pas manqué. Elle m'avait pas manqué. Bah non, je suis bête. Lycée Yosugami, c'est fermé. C'est vrai. Oh, coucou Psycho, comment tu vas? Comment vas-tu? Ça fait plaisir. Je pense pas qu'il y ait quelque chose à Okina. Ça se passe vraiment à Inaba, donc on va aller regarder le quartier commerçant. Super, et toi? Oui, ça va. Ça va. Tiens, d'ailleurs, le pompiste, il est pas là. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, le pompiste. Je peux t'aider? À propos de ces meurtres. Cet incident au printemps? Je me demande encore ce qui s'est passé. C'était vraiment quelque chose de grave, non? J'avais presque complètement oublié. Ouais, je dois devenir vieille, hein.
N'oubliez pas aussi que avec ce brouillard là, les gens ils deviennent un peu fous. Ils deviennent un peu fous. Donc ça, il va falloir qu'on se souvienne de ça. Alors, attendez, je vais juste regarder un truc. Un peu bas le son. Bon, on va voir. Qu'est-ce que c'est? À propos de ces meurtres. Mais de quoi tu parles? Je lui expliquais l'incident en impliquant Saki et Yamano, la présentatrice. C'est arrivé au printemps dernier? Ouah, ça semble si lointain. Ouais, on est en décembre déjà. Qui se souvient de quelque chose d'aussi lointain de toute façon? Enfin, ça concerne quand même... quelqu'un du lycée? Mec, ce brouillard, j'ai l'impression d'être encore dans la télé. Je demande si on peut vraiment trouver de nouveaux indices sur le tueur. Je pense, oui. Bon, ben, ça a rien de pleurniché maintenant. Continuons nos recherches et trouvons des infos. Ouh, il a l'air mal, lui. Ce brouillard doit être un genre d'arme biologique. C'est un complot. Le complot. Tu sais qui aurait fait le coup? Junes. Ouais, c'est ça, Junes. Le pays de Junes prévoit un assaut général sur Inaba. Oula. Calme-toi, Coco. Calme-toi. Ça va bien y se passer. Je me demande si on peut... Ah! Marie n'est pas là. Il y a quelque chose de différent. Marie est introuvable. C'est pas du brouillard, c'est des nuages venus du Sahara. Ah oui. Préparez vos voitures avant de venir jaune. Oh putain, c'était quand? C'était avant-hier? Il faisait tout jaune dehors. Damn! Il faisait tout jaune. Et nous, on a une voiture blanche. Je peux vous dire que la voiture, elle était plus blanche après. Ah non. Elle était jaune. C'était mardi jusqu'à jeudi. Ouais, voilà. Bah nous, ça s'est surtout vu mardi, ouais. Mardi. Il faisait tout jaune. C'était dingue. Après, c'est redevenu normal. Il y a une nouvelle feuille de papier par terre. Il y a quelque chose d'écrit dessus dans une écriture affreuse. Comme si la personne n'avait pas utilisé sa main directrice. Ah. Kaihouseyo. Kaihouseyo. Yokubou wo. Shoudou wo. Ok. Ryu mo. Konkyo mo. Okubyou mono no iiwake ni suginu. Oula. Kaihouseyo. Kokoro no koe wo. Uchinaru sakebi wo. Alors, c'est bizarre, c'est étrange. Parce que. Elle avait l'air en colère un peu, je sais pas. Ou... Alors que d'habitude, dans ses poèmes, les poèmes à Marie, ils sont plus doux. Enfin. Sachant que là, pareil, apparemment, c'était écrit dégueulassement. Oui, ça se dit pas, mais... c'est bizarre. C'est sûrement un autre poème de Marie. Ouais, mais il était étrange, celui-là. Il était bizarre. Ah! Non. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi c'est là? Je l'avais mis dans ma poche, ça n'a aucun sens. Ça doit être... Hé, ne lis pas ça! Espèce d'ordure dénuée de considération. Pourquoi t'irais lire la voix de mon... Non! C'est pas la voix de mon cœur. Oh. Silence, Marie. Si tu as besoin de libérer tes pulsions, je te prie d'aller faire ça ailleurs. Je sais pas de quelle pulsion elle parle, mais... Waouh, c'est bizarre. La ferme, c'est juste que... Hein? Pulsion? Libérée? Ah. Je lâcherai jamais l'affaire. Arrête de lire ce que j'écris. Marie retourne à sa place, tremblant soit de rage, soit de honte. Ok. Wow. Liberté plus sûre, Marie. Ton petit copain est là, en plus. En plus, oui, c'est vrai. T'as vu comment elle nous a agressés? Wow. Ok. Bon. On va partir, hein. Ouais, on va te laisser te calmer. Voilà, il s'est rien basé. Des infos sur ce qui est arrivé avant qu'on entre dans le monde de la télé. Hein. Tu sais, à propos du premier meurtre, je me demande pourquoi c'est arrivé.
Allons interroger les gens et rassemblons le plus d'informations possible. Je te vois plus tard. J'ai essayé de parler au vieux de tout à l'heure, mais il n'a même pas vu. Il m'a même pas vu. C'est quoi le délire avec ce brouillard et tout ça? Le mec m'a juste ignoré et il est parti. Je sais que c'était pas personnel, mais ça fait mal quand même. J'avoue, se faire ignorer. Un bon vent, quoi. Foutu brouillard. Dépêche-toi de te barrer. On peut parler à... ce magasin de tofu Malokyo. Damager ce qu'il y a de la boutique, ouais. Okay. Mm-hmm. Oh, le toutou, il est là. Eh, hey, écoute ça. Chris était venu me parler. C'est un événement unique dans une vie. Je lui ai demandé son autographe et le genre de mec qu'elle aime. Elle est mineure. Elle est un peu mineure. Mais un peu beaucoup. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je suis sûre que tu peux voir à quel point je suis occupée. À propos de ces meurtres. Ils n'ont pas arrêté le suspect et mis un terme à cette affaire? T'as fini de poser des questions? Bien, maintenant 20 ans. Je suis très occupée à parler avec Chrisette, là. J'ai aussi posé des questions sur Teddy, mais je suis surprise du nombre de personnes qui se souviennent de lui. Ah. Fais une émoticône pédobert. Pédobert approved. je crois pas que Twitch apprécierait ça. Ouais. Et Twitch, il risque de dire non. Pas validé. Parce que des fois, il vérifie les émotes et tout. Voilà. Enfin, je sais que Hootle, ils ont dû vérifier pour Hootle. Mon petit Hootle. Je sais pas pourquoi, mais... Donc là, je ne pense pas que ça marche. Malheureusement, je suis désolée. Ils sont tous déjà... Ah oui, ce type en costume d'ours à Jeunesse. Ah, ils se souviennent de lui. Mais personne ne l'a vu, ni hier, ni aujourd'hui. Il est aimé par tellement de gens différents. Est-ce qu'il a bien pu aller, bon sang? Oh, putain, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, attendez, pause. Vous savez, j'ai sorti sur ma chaîne YouTube les deux premiers épisodes de Persona. Et pour faire les miniatures, en fait, ce que je fais, c'est que je regarde la rediff. Et à un moment, au tout début du jeu, mais vraiment au tout début, quand on arrive à la station-service, il y a déjà une voiture qui est là. Vous devinerez jamais c'est quelle voiture qui était là. Et qui est partie quand nous, on est arrivés. C'était le camion de livraison. Celui qui est utilisé par Namatame. Yep. Et on n'avait pas fait gaffe. Comme ils ont dit dans le jeu, c'est tellement logique qu'on le voit le camion de livraison que du coup, on n'a pas fait gaffe. Et pour le coup, on n'a pas fait gaffe. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. J'ai remarqué ça. Et aussi, pareil, au tout début du jeu... À un moment, Yu, il est dans un genre de... dans un genre de rêve. Et il parle à une personne et tout, on aurait dit la chaîne de minuit. Et je sais pas si vous vous souvenez de la scène avec Teddy, où il est apparemment dans la chaîne de minuit, je sais pas, mais que le brouillard, cette fois-ci, il est très clair. Et ben, c'était pareil au tout début du jeu avec Yu. Le brouillard, il était assez clair, donc je me demande s'ils étaient pas dans le même lieu à ce moment-là, en fait, les deux. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire, justement, que j'avais remarqué ça. Mais ça, vous voyez, on le remarque que quand on refait le jeu ou qu'on re-regarde le jeu, en fait. Parce que tu t'en souviens pas, je m'en souvenais pas du tout. Pour le coup de ça. Je m'en souvenais pas du tout. Donc voilà. Voilà ce que j'ai remarqué. Finalement, c'est bien de faire ces miniatures et de regarder les rediffs. Hein. On remarque les choses. Donc voilà, pour le petit aparté. Mais en gros, c'était là dès le départ, quoi. Mm. Voilà. Moi, j'en ai bien vu une où c'est un mec à quatre pattes avec une femme devant qui tient. Ah ouais, c'est passé par Twitch. Damn. Elle est passée entre les mailles du fil, celle-ci. Ouais, bah ouais, apparemment. Oh boy. D'accord. La chaîne se méfie toujours de vous, mais elle semble s'être un peu calmée. Que pouvez-vous faire pour lui faire baisser sa garde? La chaîne inconnue semble toujours renifler le Sozai d'Aigaku. Vous devriez peut-être essayer de lui donner quelque chose du Sozai d'Aigaku. Ouf, ouf. Oui, je fais très bien le chien. L'aboiement de chien, plutôt. La chaîne inconnue a mangé ce que vous lui avez donné sans se soucier de vous.
Waf. La chienne inconnue s'est enfuie. Elle semble ne plus se méfier de vous. Vous devriez essayer de revenir un autre jour. Alors, chi est là. Même si quelqu'un a été tué, tout le monde oublie si facilement. Mais les rumeurs qu'ils entendent venant de leurs amis et de la télé restent longtemps gravées dans leur mémoire. Pourquoi ? D'ailleurs, les rumeurs... Tout ça part d'une rumeur, en vrai, avec la chaîne de minuit, tout ça. Hein. Quand on repense au début du jeu. Mais la chaîne de minuit, c'était juste une rumeur avant. Ça fait un moment depuis les deux premiers incidents. Tu crois qu'on trouvera quelqu'un qui s'en souvient encore ? Faut toujours tester, hein, mais... Ce brouillard est vraiment sombre et glauque, n'est-ce pas ? Oh, tu as une question à me poser ? À propos de ces meurtres. Il y a peu de temps, ils ont dit qu'un suspect avait été attrapé. C'était dans le journal. C'était ce Namatame, n'est-ce pas ? Je me souviens l'avoir vu de temps en temps. Oh, comme c'est horrible. Cela me fait vraiment peur. Je me souviens pas avoir vu d'autres personnes suspectes, donc je suis sûre que c'est lui le coupable. C'est pas une preuve, ça. C'est pas une preuve, hein. Je suis désolée, mais... Ah bah c'est le seul qui paraît suspect, du coup c'est lui. Hein. Bah non. Est-ce qu'il n'y avait vraiment aucun autre individu suspect ? Atachi ! Pardon. Vous devriez peut-être demander à quelqu'un d'autre. Ah papy. Le brouillard ne se dissipe pas alors que l'année est presque terminée. C'est honteux. Il fera tellement froid au nouvel an que je ne serai jamais heureux. Qu'est-ce que tu veux ? Ah, on peut demander ça maintenant. Bon, on va d'abord poser à propos de ces meurtres. Je peux pas me souvenir de quelque chose d'aussi vieux. Ok. Quelqu'un de suspect en tête ? Y a personne comme ça dans cette ville. Je te connais même toi. T'es ce gamin qui est chez Dojima. Ah, on est famous. Elle a l'air mal, elle. Puisque tout ce que j'entends partout est poison, je commence à avoir un peu peur. Je me demande où je peux acheter un masque à gaz. J'ai besoin d'en acheter un. Tout le monde en a déjà un. Wow, ok. Ah oui, d'accord. C'est moi, tu me reconnais ? Pourquoi je suis dehors ? Bah, quand je suis à la maison, je fais que regarder les infos sur les meurtres. Je pensais rester ici, admirer le coucher de soleil. Bien sûr, je vais regarder la télé une fois chez moi, de toute façon. Je peux pas voir le coucher de soleil à cause de tout ce brouillard. Enfin, je déteste ça, c'est tellement déprimant. Ah, t'as une question ? À propos de ces meurtres. Oh allez, me fais pas déprimer encore plus. Dis aux infos que le suspect était appréhendé. Alors tout est fini maintenant, pas vrai ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Quelqu'un de suspect en tête ? C'est une petite ville. S'il y avait quelqu'un de suspect, il y aurait des rumeurs partout. Des rumeurs encore une fois. Je n'ai pas entendu d'infos ou de rumeurs de ce genre. Alors je dirais que cette personne n'existe pas. Ah, c'est conclusion hâtive un peu. C'est... Ah ouais, d'accord. C'est soit ça existe ou n'existe pas, quoi. C'est... Ok. Bon. Est-ce que t'as quelque chose à nous dire, toi ? Faut faire attention quand on sort sa moto un jour de brouillard. J'aimerais que ceux qui ont klaxonné lorsque j'ai ralenti plus que d'habitude le comprennent. Ouais, c'est comme quand il pleut, il y en a qui ralentissent même pas. Oui. Il m'a crié dessus parce que j'allais trop lentement. Qu'est-ce qu'il y a de mal à respecter la limitation de vitesse ? Mais oui, bon sang, écoutez-le. Respectez la limitation de vitesse. Ah là là. C'est comme ceux qui... Comment ? Qui klaxonnent après un... Comment ? Une auto-école. Ça, c'est débile. Ça, c'est débile aussi. ça m'était arrivé, je crois. Enfin non, c'était pas... Il m'avait pas klaxonné, mais il me collait au cul, en fait. Il est collé au derrière de la voiture. Du coup, mon moniteur, il s'est retourné, il a regardé mal. En mode, mais qu'est-ce que tu fous là ? Oh ! C'était pas mal, ça. Il y en a qui respectent de rien. Attends, est-ce que j'étais en faute, là ? Ok. Bon. Au temple, peut-être, hein ? Ah, elle est pas là, la fille ? Ma maîtresse m'a dit de rentrer vite à cause du brouillard. C'est bien de plus être pourchassé par les filles. Mais c'est nul parce que je peux plus jouer au foot maintenant. C'est con. C'est con, c'est con. Bon.
Ouais, on va aller... au plan d'eau de Samegawa. Non, ça c'est une quête, mais j'ai pas... Est-ce que papy, il est là? Personne. Damn. Ma fille a eu un accident. En plus, il y a eu un délit de fuite. Personne ne peut dire quel genre de voiture c'était à cause du brouillard. Ah merde. Le papy est mort? Je sais pas. Il est pas là, le papy. Papy, il est pas là. Mais je sais pas, du coup. J'espère pas. Mon dieu, c'est horrible. Grâce au ciel, elle n'a pas été trop blessée. Mais elle avait raison, n'est-ce pas? Ce brouillard est dangereux. Faut que je commence à prévenir tout le monde. Le brouillard ne s'en va pas, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas un peu bizarre? Ah bah si, si, c'est pas un peu, c'est beaucoup. C'est beaucoup bizarre. Ma femme est toute à son travail comme d'habitude. Mais je suis inquiet. En fait, as-tu besoin de quelque chose? Oh putain, il est gentil, il demande. À propos de ces meurtres, je suis désolée. Tout ce dont je me souviens, c'est que quelque chose est arrivé. Je sais que c'était assez choquant, mais que puis-je dire? C'était il y a longtemps? Ah, tiens, c'est bizarre, hein? Ils s'en souviennent pas. Wow. Par contre, les rumeurs, ils s'en souviennent de ça. Tu te souviens de quelqu'un de suspect? Nous avons beaucoup de monde dans notre boutique, mais je peux pas dire que quiconque avait l'air particulièrement suspect. Mmh. Oh, le Neko! Miaou! Nourrir. Oui. Miaou! Nisha semble heureux. Vous pouvez essayer de le nourrir de nouveau la prochaine fois. Avec la babaye. Est-ce que t'as vu quelque chose de suspect, bobé? Miaou! Non. Ah, mais il est là, le papy! Oui, le pet-pet. Le petit pet-pet. Le pet-pet au chat. Le pet-pet au chat. En plus, il se ressemble. Le chat dans Pat-Pat, il ressemble au chat dans le jeu, un peu. Pour le bébé. Ah, le bébé. Le bébé, il est là. Mais oui, le papy, il a bougé d'endroit. T'as besoin de quelque chose? À propos de ces meurtres. Attends que tu le dis, la ville bourdonnait de partout le printemps dernier. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Ah, bah ça. Tu te souviens de quelque chose, de quelqu'un de suspect? Est-ce que j'ai vu quelqu'un de louche? Je ne sais pas. Ici, à la campagne, s'il y avait une personne pas nette dans le coin, tout le monde le saurait très vite. Mmh. Il dit quoi, le chaton? Il dit miaou. Oh, bye bye. Vas-y, bye bye. Petit pas boy. Mais il bouge pas beaucoup, oui. Bon, du coup, il n'y a personne, là. Mince. On va aller en ville, on va aller... centre commercial, tu me laisses. Oh, Naoto! Naoto! Tout d'abord, il nous faut revenir sur notre parcours. Ça devrait être le moyen le plus simple. Saki Konishi et Mayumi Yamano. Il doit y avoir un point commun entre les deux. Il y a sans doute des témoins. Toute donnée serait utile, même minime. Pas grand chose, hein. Je peux t'aider? À propos de ces meurtres. Hein? Accident du printemps dernier? Je peux pas me rappeler de quelque chose d'aussi ancien? Oh, coucou Drinky, merci beaucoup. Mais oui. Yes, le bat-bat. Comment tu vas? Ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est mes bêtes. GG. Oh là là. Comment tu vas? Merci beaucoup. 6 mois déjà. Ah là là, 6 mois. Je peux pas me rappeler de quelque chose d'aussi ancien? Je vais devoir étudier pour les examens de notre université l'an prochain. J'ai pas la place pour des informations inutiles comme ça. Bizarre. Il semblerait que vous ne trouverez aucune autre information concernant l'incident du printemps dernier. Quelqu'un de suspect en tête? Ça va et toi, Miu? Oui, ça va, ça va. Ça va, tranquille. Bah, t'as mieux si ça va aussi. Une personne suspecte? Ah, maintenant que tu le dis, mon amie disait qu'elle avait vu quelqu'un. Ah, je crois qu'elle se promène dans le quartier commerçant. Pourquoi tu n'aurais pas lui demandé? Je
Je déteste la façon dont le brouillard reste tous les jours maintenant. C'est aussi la saison des légumes d'hiver. Qu'est-ce que je vais faire si le brouillard est vraiment empoisonné? Tous mes légumes vont pourrir. Tout ça, c'est parce que trop peu de gens mangent des légumes. Si seulement mon fils finissait dans son assiette, il... Mangez vos légumes, les gens. Il faut manger les légumes. C'est bon pour la santé. Ok, alors... Du coup, faut retourner... Apparemment, il y a... C'est elle. Tu te rappelles de quelqu'un de suspect? Hein? Quelqu'un t'a dit que j'avais vu quelqu'un de suspect? Ah, ça! Tu te souviens de Sakiko Nishi, n'est-ce pas? Oui. Tu sais, elle est décédée il y a un moment. Oui. Elle m'a raconté comment Namatame est venue la voir et lui a parlé de trucs délirants. Oh. Ah oui, Namatame nous avait dit que justement, il est... Comment? Il était allé voir Saki. Pour lui dire. Mais elle a pas cru. Quelque chose avec la télé. Je me demande de quoi il parlait. Sa relation avec Saki? Eh, je sais pas ce que tu sous-entends, mais t'as tout faux. Saki était une gentille fille. Elle était juste incomprise par les gens. Il fait sûrement référence à la fois où Namatame a essayé de prévenir Saki. Il semblerait que les avances de Namatame envers Saki n'étaient qu'un malentendu. Ouais. Non. On a tout vu en fait. Peut-être leur demander. Tu te rappelles de quelqu'un de suspect? Une personne suspecte? Non, je ne vois personne. Pas dans cette ville en tout cas. Si on leur parle un peu, des fois ça... Non. Non. On a parlé à tout le monde. Ah non, attendez. Faut qu'on redemande au mec s'il a vu un... Quelqu'un de suspect en tête? Non, je crois pas avoir vu quelqu'un de suspect. Par toi qui interromps ma conversation avec Rissette. Oh, ça va. Ça va. Ah, on a tout vu, hein. Quelqu'un de suspect en tête? Si j'ai vu d'autres personnes bizarres à part Namatame. Non, je ne crois pas. Je dirais que vous ne trouvez aucune information de plus sur une personne suspecte. Vous avez rassemblé autant d'infos que vous pouviez. Vous devriez en informer le groupe. Soir. Restaurant chinois Aya. Vous avez retrouvé vos amis après avoir terminé votre chasse aux informations. やっぱ本物の警察みたいにうまくはいかんね。一日中歩き回ったけど大した収穫はなし。私も同じ。真犯人どころか事件に関する話自体全然出てこなかった感じ。右に同じ。てか私の場合こっちが質問攻めで全然本題に入れないんだもん。死ぬほど面倒だった。Après, en vrai, si ça fait comme comme le fameux camion de livraison que tu fais pas gaffe parce que bah c'est normal que t'en vois un entre guillemets. C'est peut-être la même chose avec le tueur. Hein. En mode bah c'est normal que tu le vois, etc. Donc du coup tu fais plus gaffe. N'est-ce pas Adachi? Parce que techniquement Adachi il fait partie de la police, tout ça, donc les gens ils font pas. Ils se disent pas qu'il est suspect en fait. Donc こんな狭い町で誰にも見られてないとか犯人どんだけ巧妙なわけ。どうする。とりあえず肉丼一つ。そうじゃねえだろ。けどまあ食べてからにするか。俺カニ玉チャーハン。じゃあ俺はチャーシュー麺倍盛り。Vous avez tous fini les plats que vous avez commandés. Vous avez discuté avec tout le monde de ce que vous avez appris aujourd'hui.
新しい情報は特になし。以上。最初の2件について警察は初動の聞き込みに異例なほどの人数を割いてました。それでもこぼしたような情報を半年以上も過ぎて拾うというのはやはり難しいですね。うん、決めたね。まず不審者の目撃証言がない。小西さんはともかく山の穴には熱狂的なファンもいたようですが。 てか、聞いても聞いてもそっちのけで、ドイツもこの霧のことばっかり言いやがる。あと、真夜中テレビのことばっかり。クマのことは聞いてみたけど誰も知らなかった。もう、ほんとどこ行ったんだろう。ナオトの方は何か無いわけ？新しい推理とか。新情報まるでなしとなるとどうにも。うんふん。<笑> ですが、この町のどこかに全ての条件を満たす人物が必ずいるはずです。小西さんと山のアナの2人と何らか接点があって、しかも僕たちの行動をある程度継続的に把握することができて。ナスパー だっち。何より先輩の自宅に怪しまれずに近づけた人物。うんふん。 Ah bah s'approcher même directement y entrer hein, moi je le dis hein. ちょっと考え直してきます。Oh. Est-ce de quelque chose? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais, hein, n'est-ce pas? Rester ici ne vous aidera pas à mieux réfléchir. Décidez de sortir pour prendre un peu l'air. Après, vu comment elle nous a regardé, peut-être qu'elle pense que c'est Dojima, tu vois. C'est possible. J'espère pas, hein, mais... Yukida. Mais je pense... Ouais, quoique, non, je pense pas, parce qu'il aurait pas fait de mal à Nanako. Mais je pense qu'elle doit se douter. Sapi. Mais en fait, c'est ce qui a fait la tête, et je pense que c'est un peu de mal. Ah, Yukika? N'est-ce pas? Il doit y avoir quelque chose qui a été omis. Il est urgent que vous débloquiez la situation. Les indices dont vous avez besoin doivent déjà être entre vos mains. Dosta. Vous devriez revoir tout ce que vous savez encore une fois. C'est pas de la neige, c'est de la cendre. Oh non. Non. Bah, du coup, ça me rappelle un peu... Un peu beaucoup. Nir. Enfin, c'est pas de la cendre véritablement dans Nir, mais... Ah, enfin, ça peut s'apparenter à ça, mais... Le coupable avait une sorte de lien avec Mayumi Yamano et Saki Konishi. Et en jugé par les lettres d'avertissement, le coupable connaît vraisemblablement l'autre monde et ce que vous y avez fait. Il est fort probable qu'il sache aussi ce que Namatame faisait et qu'il soit resté en retrait pour observer. Qui serait ce genre de choses? Une autre particularité de l'enquête est qu'il n'y avait presque aucun témoin. Les deux lettres ont été déposées directement chez vous, mais personne n'a vu quelqu'un de suspect. Parce que c'est normal pour eux que cette personne soit proche de la maison, en fait. Ça fait exactement comme le camion de livraison. C'est tellement normal que t'y fais pas attention. Et donc, pour nous, vu qu'on pense que c'est Tadachi, c'est normal que les gens se disent « Bah oui, ils traînent ensemble avec Dojima, etc. » Donc c'est normal qu'ils rôdent dans le coin, quoi. Aucune personne inhabituelle n'a été remarquée auprès de Mayumi Yamano ou Saki Konishi non plus. Et ce, malgré le grand nombre d'officiers de police qui inspectaient les lieux. Il doit bien y avoir quelqu'un dans cette petite ville qui corresponde à tous ces critères. La personne qui semble être le coupable le plus probable est... Ah Yosuke, Chie, Yukiko, Teddy... C'est Teddy.
Mayumi ou Mayu. Joli anagramme, j'avoue. Alors. Pour avoir une mauvaise fin, il faut se tromper 3 fois. Donc on va se tromper 3 fois. C'est vraiment de la cendre qui tombe là? Non, c'est de la neige. Ne t'inquiète pas. C'est de la neige. Quelqu'un d'autre? Regardez dans les noms. Ouais, Yukiko a une tête de coupable. Attendez, on va mettre Yukiko. Ah, y a tout, hein. Y a tout le monde. Tous les persos qu'on... Misuzu, Noriko, Anako. Vas-y, on va mettre Anako. Oh, je l'aime pas, Anako. Allez, hop. Let's go, c'est la coupable, allez. C'est bon. Les enquêteurs de l'extrême, moi je vous le dis. Si on part du principe qu'elle aurait la capacité d'entrer dans une TL, elle pourrait bien être la coupable. Cependant, il n'y a aucune raison de la suspecter non plus. Vous devriez réfléchir à nouveau. Ah, bah, c'est Yukiko alors. On peut pas entrer dans une TL. Non, on va pas être méchant, mais... Oh, damn. Allez, Yukiko, elle est méchante. Non, j'ai con... Derrière, il va nous tuer. S'il sait qu'on a mis Yukiko en coupable. Chut. Je compte sur vous, faut pas dire. Il est pas là en plus. Mais vos compagnons ont obtenu le pouvoir d'entrer dans la télé qu'après le meurtre de Mayumi Yamano. Mais oui, là-haut, vous êtes cons, là. Réfléchissez, merde. Leurs alibis sont en béton. Ouais, le jeu qui nous dit mais meuf, réfléchis. De plus, ce sont vos amis qui vous ont permis d'aller aussi loin dans cette mystérieuse affaire. Vous voyez aucune raison de les suspecter. Vous devriez calmement y réfléchir à nouveau une dernière fois. Là, le jeu, il te prévient que c'est la dernière fois. Nanako est dispo en coupable. Attends, il me semble. Je crois. Hein. Oui. Allez, let's go, c'est Nanako. Mastermind de l'affaire, Nanako. Serait-ce même concrètement possible? Non. Même en imaginant qu'elle puisse entrer dans une télé, elle aurait dû porter des victimes qui font plus de 2 fois sa taille. Oh, mais c'est pas la taille qui compte, on a dit. Donc elle peut très bien. Non, je déconne. Ce serait absurde de la suspecter. Toi, même le jeu, il nous dit, mais... Meuf, arrête. Arrête d'être con. Oh, damn. En réalité, elle était une victime innocente de plus qui s'est retrouvée impliquée dans cette histoire. Et allez, on recommence. Pardon. Dans l'intérêt de cet enfant tourmenté et de son père, vous devez trouver qui est le vrai coupable. Ça ne sert à rien. Vous n'avez aucune piste. やはり地道に捜査を続けるしかなさそうですね。ただ結果がどうであっても犯行自体はずっと生ためが続けていたわけです。その生ためはもう逮捕された。 どの道事件はもう起きないかもってか? Ouf. Et ceci conclut l'enquête. Alors c'est Nanako la coupable. Voilà. 真相は闇の中ですけどね. Ouf. Continue, tu fais tête. Ça marche. Je vais continuer. 闇の中っていうか... 霧の中だな. Bah au pire réfléchissez, hein, demandez pas qu'à moi là. Oh, c'est... Moi je sais pas. Enfin si je sais mais... On s'en doute. Peu de temps après, vous trouvez une autre lettre que Teddy a laissée. Ah, le retour de la lettre. Tiens donc. N'oubliez pas que dans les autres fins, les autres mauvaises fins, pardon, Teddy nous avait laissé une lettre. Aussi. Sauf que dans la suite de l'enquête, on a vu Teddy dans la Midnight Channel. Enfin, on pense. On sait pas. Mais il nous avait pas laissé de lettre.
Là, bizarrement, il nous laisse une lettre. Sachant que Teddy, il avait l'air mode qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Ça me paraît sa lettre, elle me paraît bizarre un peu. Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a écrite? Je sais pas. Teddy, arrête de laisser traîner tes ordures. Ouais, j'avoue, Teddy là. Oh. Ah, Teddy, il abuse. Hein. Il abuse, il pollue. C'est pas bien de polluer. Tout le monde a évité de parler de l'affaire et a attendu que cet hiver pénible se termine. Et le temps est passé. Et ça skip jusqu'en mars. Le printemps est revenu à Inaba. Chez les Dojima. Suzuite, Saknen, Inabashi o sawagaseta, Renzoku Yukai Satsujin Jiken ni kansuru news des. Namatame Hikoku wa 関連の疑われていなかった複数の失踪事件について犯行を自供しました。ですが、依然として2件の殺人については否認を続けているということです。Les gens, ils vont jamais le croire. C'est ça le truc. 動機や細かい手口についても不明な点が多く、裁判でどこまで明らかになるかが注目されます。それでは引き続き今日の霧情報です。依然街を覆っている霧ですが、春の訪れが影響してか。今週は少し和らぐでしょう。今日、明日は平常通りの淡い霧。明後日以降の状況は分かっていません。お出かけの際は、くれぐれも視界にご注意ください。そろそろ電車の時間だ。七子の退院が間に合わなくて残念だ。もう少し後なら外泊許可も出たんだが、またいつでも遊びに来ればいい。ナナコをあんな目に合わせたのは間違いなくあいつだ。おお、attends, quand il dit lui, il parle de Namatame ou il se doute que c'est Adachi? けどな、あいつの調子を重ねてくる。ah, non, ok, il parle de Namatame. 俺はわからなくなっちまった。Namatame は本当に二人を殺したのか。Namatame, vu que c'est lui dont on parle à Teddy. Ouais, ouais. Namatame. Mais il se pose quand même des questions à force de l'interroger. Je ne pense pas. Enfin, nous, on le sait. On sait que c'est pas Namatame, il nous l'a dit. Il y a des preuves, donc je ne pense pas. So, ka. Na, kore kara da kedo na. とにかく、あれから妙な事件もない。Il continue pas, Adachi? このまま、また静かで何もない町に戻るといいんだがな。さて、そろそろ出るか。駅で友達が待ってるんだろ。行こう。Et donc, du coup, on se retrouve avec la cinématique des mauvaises fins. Je fais passer parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois. Tac. Ça, par contre, je peux pas faire passer. Mais voilà. Et bien, c'était la fin de Let's Play. Non, je déconne. Non, c'est une mauvaise fin. Vous inquiétez pas, restez. On va poursuivre. Et coucou Nafuki, comment tu vas? Ça fait plaisir. Comment vas-tu? Merci à tous. Bye bye. Non, je déconne. Je déconne. Donc ouais, finalement quand même, Dojima, il a, en interrogeant
comment il s'appelle, Namatame, il commence à se douter de certaines choses. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est pas mal, Yes, Matami, ça va bien, Il faut. Par contre, j'ai hâte d'avoir la confrontation avec Adachino. Parce que c'est sûr et certain que c'est lui. C'est sûr et certain. Donc, tu connais le chemin vers la vraie fin ? Ouais. Je connais. J'ai des petits indices pour arriver à la vraie fin. Ouais. Effectivement. Là, techniquement, il nous reste une mauvaise fin, là. À avoir. Ah, c'était la troisième. Mais donc, voilà. Voilà. Mais ouais. Je me demande comment il va réagir, surtout. Je me demande. T'as déjà fait la fin complice ? Non. Non. Il y a une fin complice ? Non. Merci pour les GG. Mais non. Et il me semble que c'est celle-là qui nous manque en mauvaise fin. Il me semble... Enfin, j'ai toujours un petit guide à côté. Hein. Mais... Et du coup, on peut être complice. Damn. Je pense que ça va être après quand on va dire que ça a été le coupable, je pense. Mais c'est, en tout cas, c'est sûr et certain que c'est lui. Ça, on le sait, mais je me demande comment ça va se dérouler, en fait. Et yes, à boire. Merci, Kilak. Merci beaucoup. De toute façon, la seule fin véritable, c'est la trop. Trending. True Demon Ending. C'est dans SMT, ça, non? Ah, c'est pas dans SMT 3, ça, Nocturne? Ah, peut-être. Enfin, quoique, il me semble que c'est pareil pour les autres SMT, non? Aussi. Ah, j'ai pas encore fini le jeu, hein, SMT 3, je l'ai pas encore fini. Mais je compte faire aussi toutes les fins de mon côté. Il y a 6 fins dans SMT 3 Nocturne. 6 fins. Un truc comme ça, il me semble. Et t'as une fin pour chaque trophée. T'as un trophée pour chaque fin, pardon. Pouf. Enfin, l'inverse, plutôt. Donc, ouais, j'ai quand même envie de voir... Comment ils vont faire pour les 6 fins, là, de SMT, pour le coup. Faut que je fasse plusieurs sauvegardes, d'ailleurs. Comme ça... J'ai fini une fois SMT 3. Ah. Je suis rendu où, moi? Je sais plus. Ou labyrinthe, je sais plus. Ah, je sais plus. Yes, trop Ariel. J'ai marqué générique. Ouais, on a fait la fin numéro 3. La mauvaise fin numéro 3. Donc techniquement, tu vas rien louper parce qu'on va devoir refaire ce qu'on a fait là au début live. Vite fait pour atteindre... pour atteindre comment ? La suite de l'histoire. Donc t'inquiète. C'est juste que j'ai passé les dialogues qu'on a déjà lus. Parce qu'au final, tu sais, au dernier live, en fait, ce qu'on devait faire, c'était interroger tout le monde dans la ville, etc. Mais comme on l'a vu là, personne n'a vu quelque chose. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne se souviennent pas de ce qui s'est passé avec Saki et Mayumi. Ils se souviennent des rumeurs, mais ils ne se souviennent pas de ce qui s'est passé exactement. Ça, c'est étrange, par contre. Ça, faut retenir, quoi. C'est surtout ça qui est le plus important, là, disons. Et là, techniquement... Alors, pour avoir cette mauvaise fin-là, il fallait se tromper de tueur. Enfin, de coupable. On était en train de regarder les coupables. D'ailleurs, voilà. Il y avait une liste de coupables.
la liste de tous les personnages finalement qu'on pouvait choisir. Donc voilà. Et plus jamais le quatrième Kalpa dans la série de suite. Ah voilà, oui, je suis à un des Kalpa dans la SMT 3, ouais. Je suis rendu à un des Kalpa, je me souviens plus lequel, le troisième ou quatrième, je crois. Yes. Hop. Combat de tenez. Sauvegarder. Yes, alors si vous cherchez les données, sauvegardez, vous recommencez le jeu. Ouais, alors on va sauvegarder. On va mettre ça là. Voilà. Le 4 et le 5, c'est le fun. Ah ouais. Alors j'ai lu que pour le... Il me semble que c'est pour le quatrième. Je crois le troisième, je sais plus. On se fait poursuivre. Ouais. Je suis rendu là. Je sais pas si c'est fun, mais... J'aime pas, moi. Aïe, aïe, aïe. Allez, on recommence. Le 3, alors. Ah bah, je suis rendue au 3, ouais. Je vais me faire poursuivre par quelqu'un, apparemment, dans le 3. Mais c'est... Voilà, quoi. Bon, je fais en avance rapide, du coup. Je fais l'avance rapide. Donc, ouais, comme on a vu, c'est la journée où l'école a été fondée, du coup, on n'a pas cours. Bizarrement. Alors. On va parler à tout le monde. Non, le 4 et 5, c'est bien pire. Ah! D'accord. Bah, yes. Alors, on va faire le petit passage avec Marie. Je fais passer. Ah, on peut pas passer ça. Je vais passer comme ça. Et on part. Parce que du coup, j'ai oublié de se garder. Des idées game design inoubliables. Ok, je vois. Déjà, le... Comment ? Le truc des Kalpa, là, putain, c'est dur. Oh ! Mais déjà, le jeu de base, il est dur, mon gars. Fou. Damn. Patata, est-ce qu'il y avait ? Hop. On demande quelqu'un de suspect. On fait avance rapide, mais personne ne sait, non. J'ai déjà parlé, papy. Hop. Bon, lui, je sens qu'il n'a pas grand-chose à dire. Tac, 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 tac. Boum. Ah mince, je vais reparler. Je vais aller trop vite. Hop. Ok. On va tourner dans le quartier commence sud. Ouais, SMT, c'est pas dur. Faut juste venir préparer. C'est comme une personne... Ouais. Faut... J'ai osé faire SMT3 en normal. J'ai regretté. Hein. En normal. Juste en normal. Hein. Ça pique. J'ai regretté très vite. Dès le début du jeu. J'ai une question. Qui parle autant à un inconnu qui court dans la rue et qui s'arrête devant toi? C'est Bibi. C'est toujours Bibi. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est bon? Ok. Alors, on va quitter... Jeunesse. Faut manger vos légumes, hein, n'oubliez pas. Bah, je mets de la musique un peu parce qu'elle est un peu glauque celle-là. Hop, ok. Les minous, faut les nourrir du coup, faut qu'on les renourrisse. Le minou! Tiens. Faut qu'on nourrisse le chien aussi. Hein. Le papy. Non, faut pas le nourrir, le papy. Pardon. Le papy, il est déjà noué. Ok, quartier commerçant. Je vais juste nourrir le toutou. Je l'ai oublié. Et je vais aller sauvegarder et après, c'est bon. Ce sera bon. Ah, pardon, j'ai oublié lui. J'ai l'air d'avoir le chien. Tac. Ouf. Ok.
Hop. Et on va sauvegarder avant de parler à la dernière personne. Hop, voilà. Et voilà. Je fais passer aussi ça. Comme ça. Et là, Naoto, elle s'est rendue compte de quelque chose. Mmh. Yuki da. Dōri de hieru hazu desu ne. Et là, on doit choisir. Et cette fois-ci, on va choisir notre suspect de toujours. J'ai envie de vous lire. Adachi. C'est parti. Bien sûr, si on se fie uniquement aux circonstances, vous ne pouvez pas totalement éliminer cette possibilité. Mmh. Adachi pourrait avoir trouvé le moyen de garder un œil sur vous. Mais il était toujours là, en fait. Tout le temps, tout le temps. Il aurait été capable de s'approcher de la maison très facilement. Et il connaît très bien la zone. Quand on y pense, vous l'avez rencontré de multiples reprises lors de l'enquête. Mmh. Vous avez aussi beaucoup appris sur les agissements de la police grâce à lui. Mmh. Il n'y a pas non plus de vraies raisons de douter de lui, mais... Oh, si, comme... Si, si, si. Quelque chose vous dérange. Cependant... Je me demande vraiment si c'est Adachi. C'est sûr et certain, c'est sûr. Ça peut pas être Adachi le flic sympa d'Inaba, bah non, voyons. Ben non. Il est juste un peu neuneux, c'est pour ça, c'est tout. Mais non, non, non. Si, si, c'est lui. C'est sûr et certain que c'est putain d'Adachi. Moi je vous le dis, c'est sûr. Devriez-vous confier vos soupçons sur Adachi à vos amis? Ouf. Oh, oh, po, po, po. Wait a minute. Mais non, c'est Nanako. On a déjà tété, Nanako. Le jeu nous a dit, mais réfléchis, meuf. Oh. Pour avoir la mauvaise fin, numéro 4, et donc la dernière, il faut protéger Adachi. Et c'est horrible, ça fait mal. Parce qu'on est sûr et certain que c'est lui. Donc le protéger, ça... Ça fait mal. Mais pour les biens, tu let's play tout ça, et même je suis curieuse de savoir la fin numéro 4. Ne pas en parler, protéger Adachi. Ça me fait très mal de faire ça. On est obligé. Ah, pas le choix. J'ai mal. Votre relation avec Adachi jusqu'à présent ne vous donne pas envie de le penser coupable. Mais la possibilité qu'il le soit est plus que suffisante, et vous ne pouvez pas dire qu'il ne l'est pas. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir en parler à vos amis? Oh là là! Moi j'aimerais tout leur dire! Moi j'aimerais tout leur dire! Mais pour la fin, numéro 4, protéger Adachi. Ça fait mal. Dis-leur, on leur dira après. Je suis désolée, on fait dans l'ordre. Oh, damn. Non. Je suis désolée. Même moi, ça me fait très mal. Vous ne pouvez penser à personne d'autre qui pourrait être le coupable. Mais vous ne voulez pas le dénoncer en tant que coupable. Vous décidez de garder ça pour vous, sans le dire à vos amis. Yahari, jimichi ni sousa o tsuzukeru shika nasa sou desu ne. Tada... Non, c'est pas Namatame. Sono Namatame wa mo taiho sareta. Donomichi jiken wa mo okinai kamo tte ka? Shinsou wa yami no naka desu kedo ne. Oh, c'est horrible. Je me mets à la place de Yu là. En mode, il le sait. Enfin, il se doute.
Il le dit pas, et à côté, ils sont là en mode, bah, tant pis, on saura jamais la vérité, tout ça. Yami no naka te yu ka... Kiri no naka da na. Oh là là. Cette fois-ci, Yui, il regarde par terre en mode... Mince. Peu de temps après, vous trouvez une lettre que Teddy a laissée. Je fais passer, c'est toujours la même. Tout le monde a évité de parler de l'affaire et a attendu que cet hiver pénible se termine. Et le temps est passé. Mars. Ah! Ça a changé. Eh, ça a changé. D'habitude, on était déjà le 21 mars quand ça passait à la mauvaise fin. Ouh! Ok. Donc on est un jour avant. Demain est le jour de votre départ. Était-ce vraiment la bonne chose à faire de ne rien dire à vos amis concernant Adachi? C'est sûrement le dernier jour où vous pouvez voir Adachi. On va aller le voir. Allez voir Adachi. Vous avez décidé d'aller voir Adachi. Oh oh boy. Oh oh. Oh oh. Ça va donner. Sachant que n'oubliez pas, on est dans la mauvaise fin numéro 4 là. La dernière. Commissariat de police d'Inaba, salle d'interrogatoire. Merci au jeu de te rappeler le choc que tu viens de faire à l'instant, ouais, t'as vu? Ouais. Ouais, hein, tu fais des heures sup, hein, pauvre chéri. Est-ce que tu l'as fait? On va être cash. On va être cash. Yatta tte nani o? Ah oui, ouais. C'est quoi? Non, c'est pas dans ce sens-là que je voulais dire. Oh putain, Ariel. Je viens de comprendre. J'y étais pas du tout. Et pour une fois, j'y étais pas du tout. Ah, c'est la faute d'Ariel, là, moi je dis ça. C'est pas moi, là. Ah non, j'y étais pas du tout. Oui, oui, oui. Ah, ça non plus. Ah merde. Pardon. Aïe, aïe, aïe. Non, non, fais quoi, oui, bah... Non, pas fais ce que tu penses, mais fais que... Fais... C'est le petit coq qui a pensé très fort. Oui. Boku ga Yamano Mayumi to Konishi Saki o? Vous imaginez? En interrogatoire, il fait « Est-ce que tu l'as fait? » Oh merde. Alors que c'est un moment sérieux. En plus, c'est Adachi. Moi, genre, je m'en fous d'Adachi. Moi, je veux pas savoir ce qu'il a fait. Enfin, je veux pas savoir ce qu'il a fait en dehors. Bref, vous m'avez comprise. Oh merde. On a plus tordu dans P5K. Ah, oh, c'est vrai, c'est vrai. Des fois, ouais. La Miyu qui se crame toute seule. Non, n'importe quoi, c'est pas vrai. C'est fou. Bref. Ok, oui, tu es machin. Ikinari dou shita no? Masaka sore honki de itteru? Souris pas comme ça, Adachi. T'es coupable, mec. T'es coupable. Chotto. Jodan ni shitemo tachi warui yo. Wasureta no?
君たちが生ためを引きずってきたんじゃない。Ah, il essaie de nous retourner en mode non, mais c'est. Eh, t'as arrêté Namatame, hein? C'est Namatame, Namatame le tueur, hein? Non, c'est pas moi. Ah, hi, hi. Itsumono tante goko. Ja, kari ni boku ga hannin da to shite. Non, c'est pas disons que, c'est je suis, toi. Nuance. Kimi, nani shi ni kita no? Boku ni jishu demo saseru tsumori? Oh, toujours avec ce sourire là. Techniquement, on doit le protéger en fait. Oh! Merci beaucoup, Yushi! Coucou, comment tu vas? T'arrives pile au bon moment. T'arrives pile au bon moment. Merci beaucoup. Wow. 5 mois déjà. 5 mois. Comment tu vas? Ça fait plaisir. Bah, du coup, je suppose qu'il faut dire non parce que faut le protéger en fait. Faut être complice. Et c'est horrible. Moi je veux pas, mais. Non. じゃあ何?僕をゆすろうとかそういうオチ?おう。Non. Je veux bien et toi? Oui, ça va, ça va. T'aimes aussi, ça va bien aussi. C'est le problème? Oui, c'est le problème. T'aimes me faire chanter? Non. あのさ、警察も暇じゃないんだよね。生ための件もまだ片付いてないし。Oh là là. Burke peut faire chanter Adachi, il va pleuvoir. Oui, non, j'ai pas envie de. Non. Non, non. Daichi, shouko nai daro. Boku ga yatta tte iu shouko. Oh, si tu savais depuis le début du jeu. De, tante gokko mada tsuzukeru tsumori? J'ai l'impression qu'il est un peu énervé. Pourtant, il danse bien. J'ai pas son DLC dans Persona 4 Dancing. J'ai pas son DLC, mais de ce que j'en ai vu. Oh boy. Oh boy. Ah, mais oui, lui, c'est le gars, tu disais qu'il était méchant. Oui. Ouais, ouais. Mm-mm. Et là, faut dire qu'on est de son côté. Ah, ça fait mal. Ah, je suis pas de ton côté, Adachi. Moi, je t'aime pas. Mais pour le bien de cette fin numéro 4, on va dire qu'on est de son côté. Mikata tte kimi sa. Tsugi wa seigi no hiro kidori. Il est sympa, c'est le flic du quartier. Oui. Ouais, ouais, ouais. Il est sympa devant les gens, mais derrière. Ah, chigau ka. Hannin no mikata da tte iu nda mon na. Oh, dis pas ça avec le sourire, c'est perturbant. C'est perturbant. Shikamo keisatsukan de aru boku no mae de ne. Non, pas devant un policier. Devant un tueur, en fait. Kimi, jibun ga itteru imi wakatteru? Non. Je plaisantais. Oui. Ça me perturbe, le visage de Chi me perturbe. C'est. Chotto matte na. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait? Kore o oboeteru? La lettre de menace? Kimi nchi ni todoita kyōhakujō. Oui. Ukkari kanshiki ni maashi wasurete tan da yo ne. Malencontreusement. Ah bon? Are you sure about that? C'est le méchant, il y a plus de doute puisque toute épreuve le confirme. Ouais, ouais, ouais. Là pour le coup. Oh bah zut alors, ouais, ouais. C'est bizarre, hein, il a oublié, hein. Ouh là là, oups, pardon. Ouais.
Oups. Ma, tada no itazura daro kedo. Ano jiken ni tsunagaru mono kamoshirenai. Que ce n'était une blague. Oh là là, c'était une petite blague. Oupsi. C'était poisson d'avril. Moshikashitara kore ga jiken o kutsugaesu kanousei datte aru kamoshirenai. Il fera demain, promis. Ah bah écoute, il reste encore un jour. Hein. Oh non, demain on est parti, mais. Ouais. Ah, c'est perturbant. Sa façon d'être là. Comment il parle, son visage, etc. C'est extrêmement perturbant. C'est le malaise. C'est malaisant. Moshi boku ga shinhannin nara, mikata no kimi wa kyouhansha tte koto da. Chigau? T'approches pas de moi. C'est un briquet. Kanshiki ni maaseba kyouhakujou kara nani ka dete kuru kamoshirenai yo ne. Non, il va nous demander de brûler la lettre. Oh le bâtard. Oh. それが手がかりになって真犯人が捕まっちゃったりして。cet homme est malaisant。堂島さんも君の仲間にしても一年間必死に事件を追ってきたよね。Oh, en plus il se fout de notre gueule, putain. Ah, ça m'énerve。なのに真犯人が捕まらないなんてかわいそうだよな。Ouais, c'est dommage, hein. Ouais. De? Oh là là. Adachi vous fixe le regard. Ah, me fixe pas s'il te plaît, j'aime pas. Ah là là. Il me perturbe cet homme, il me perturbe, je l'aime pas. C'est... Non. Non. C'est... Je sais pas ce qui monte le plus que sa méchante, sa voix, son sourire ou la musique. Effectivement. Ah bah, si là on se dit que c'est pas le méchant... Je vois pas trop comment, quoi. Ok, c'est clairement lui, je vous jure, je voulais y croire, moi. Malheureusement. Si vous brûlez la lettre, vous détruirez la seule preuve qui existe. Oh là là. Yo. Cela serait trahir tout ce que vous avez vécu cette année. Le jeu qui t'en rajoute une couche, allez. Vas-y. Culpabilité sur 20. Yes. Allez vous brûler la lettre. Je suis désolée. Pour la fin numéro 4. Pour la fin numéro 4. Oui. Et le pat-pat. Oh là là. Une odeur de brûlé envahit la pièce. Croire c'est bien, le savoir c'est bien. やだな、本当にやっちゃったよ。ねえ、自分が何したか分かってる？Regardez son visage, oh my god. 証拠品の隠滅、犯罪だよ、犯罪。Oh damn. Oh là là, red face. Un peu ouais. Hello, barely coming. Pardon. Ah là là. Oh putain. これで事件は完全に闇の中だ。Ce petit incident. Petit incident. Il a tué des gens. Et le brouillard. Non mais... Pourquoi? Léger incident. Ouais, un petit incident. Genre la fille est passée par là. Poum. Allez, un petit coup de couteau comme ça. Oh damn. Oh damn. Petit incident de parcours.
Un peu, ouais. Oh putain. Et là, t'avais un enregistreur de cachet. Ah. Ah, t'imagines. En vrai, c'est plus compliqué. Bah, en vrai, je me doute que c'est plus compliqué. Je sais pas pourquoi. Mais vous vous souvenez le pompiste qui est bizarre. Pour l'instant, on l'a pas revu dans l'affaire. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'ils l'ont fait bizarre exprès pour qu'on pense que c'est lui le vrai coupable, mais je suis sûre qu'il y a un truc avec lui. Kimi no sei de ne. À cause de toi. Ah, culpabilité. C'est dégueulasse. C'est qu'un pauvre gamin. Quoi ? Il a notre numéro ? Depuis quand ? Mais depuis quand ? Non ! Vous pouvez entendre sa voix en jouer au téléphone. Oh là 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 là. Depuis le début ! Il a dû fouiller dans les affaires de Dojima pour avoir notre numéro ou je sais pas. Ou... Oh. Oh le bâtard, j'ai envie de le... Vous avez obtenu le numéro d'Adachi, ouais. Adachi rigole, ouais c'est ça, rigole. On va t'avoir dans la vraie ending, moi je te le dis. Hein. Votre décision était horrible. Mais vous ne pouvez plus faire machine arrière. Même le jeu il nous dit mais... Mais meuf, t'es horrible en fait. Je sais. Ressentez un lien fort entre Adachi et vous. Non. Pourquoi? Grand Max. Aïe. Ça pique. Un lien fort qui s'appelle la peur. Un petit peu. MP3, j'ai pas fait Persona 3, je sais pas. Tu es moi, je suis toi, tu as établi un lien sincère. Ouais, sincère, mon cul, ouais. Tes liens sincères seront tes yeux pour voir la vérité. Oui, moi, ça. Pardon, c'est sorti tout seul. Le lien social Tolu Adachi a atteint son niveau maximal. Yeah! Vous avez terminé le lien social Tolu Adachi. Yeah, youpi! Votre faculté à créer des personnages d'arcane fou a atteint son maximum. Yuna Lukami a forgé un lien qui ne peut être brisé. Ah bah, zaz. Ouais. GG, ouais. Merci, I guess. Ouais. En terminant le lien social fou, vous pouvez maintenant fusionner Magatsu Izanagi. Oh, Izanagi. Magatsu. Oh. Elle est cheatée cette personnage, je crois, dans Persona 5 Royal. C'est une blague parce que le thème principal de P3, ça marche. Ah oui, oui, oui. Les voix de la société. Shinjitsu ってのは罪な言葉だよね。たった一つを指すはずなのに、誰の胸にもある。君にとってはこれが真実だったわけだ。Damn. Mais il se rend compte Adachi que Yu il est quand même de son côté là. Et il s'en bat les couilles. Enfin. Waouh. Mais je. Il en fait il a juste saisi l'opportunité, il s'est dit ouais c'est une opportunité, allez hop. Bye bye, on s'en fout quoi. Wow. Ouais, ouais. Le brouillard. N'est-ce pas, Adachi? Hein? Ouais, c'est ça, casse-toi. Matane, partenaire. Non, je veux pas. Toi, je t'aime pas. Oh l'enflure. Vous ne pouvez plus reculer maintenant. Oh là là. Je me mets à la place de You là, putain. Il doit être tellement mal. Le brouillard dehors est épais. Tu l'as fait, Miu. Oui.
Oui. Vous devez rentrer tôt chez vous. Oh là là. Damn. Coupable. Oui. 続いて 昨年稲葉市を騒がせた連続誘拐殺人事件に関するニュースです。生為被告は関連の疑われていなかった複数の失踪事件について犯行を自供しました。Pourquoi? Oui, je suis coupable. Le péché peut se lire sur ta face. ですが 依然として2件の殺人については否認を続けているということ。動機や細かい手口についても不明な点が多く。サンナルデジャ。それでは引き。シュパセサ。今日お出かけの際は。ケスメヌンジャーデュクドジマ。そろそろ電車の時間だ。7個の隊員が間に合わなくて残念だ。もう少し後なら外泊許可も出たんだが。ま、また Nanako, Annamini, à voir. Non, il nous dit la même chose. Il nous a pas vu aller au commissariat, je pense. Aïtsu no tchoushu o kasanet, namatame wa. Oh là là, maintenant on comprend pourquoi il y a le je pense, oui. De la dernière fois. Oh là là. On comprend pourquoi. En fait, c'est pour protéger Dachi. Dire je ne sais pas. J'ai pas envie de dire oui ça. Non, je ne sais pas. Même si je sais mais. そうだな. つまらんことを聞いてすまんな. とにかく あれから妙な事件もない. このまままた静かで何もない街に戻るといいんだがな. Il y a Dachi qui est dans le coin. さて, そろそろ出るか. 行こう. Oh là là. Par contre, on sait pas pourquoi il a fait ça à Dachi. Je fais passer, c'est ça. On sait pas pourquoi. Damn. Et plus jamais je fais ça, mon. Ah, plus jamais. Non, 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 non. Mais là, du coup, moi, je sais. Mais je sais que tu sais. Je sais que tu sais. Mais, pouh, c'est à cause des salles. J'ai vu un truc par rapport aux salades, ouais. Et par rapport à Dachi, je crois que c'est un mème. C'est devenu un mème. Quand je faisais mes petites recherches et tout, j'ai vu passer ça. Même dans Persona 4, The Animation, j'ai vu quelques petits trucs par rapport à l'animé. Mais pouh. Ah non. Le mec, il dit même pas merci, rien du tout, tu sais. En même temps, c'est un tueur, il s'en fout, mais... Ah non, c'est horrible. C'est horrible. Bah du coup là, techniquement, officiellement, on a fini toutes les mauvaises fins. Donc là, on va se diriger vers les vraies fins. En tout cas, la true ending. On va se diriger vers la vraie fin. Cette fois-ci. Mais bon, du coup, ça y est, on a la confirmation que c'est Adachi, hein, voilà. L'enflure. C'était sûr, mais depuis le début. Depuis le début, c'était lui. Depuis le début. Mais je garde quand même en tête le pompiste, là, du début. Parce que j'ai relu... bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai fait mes miniatures, donc du coup, j'ai revu le premier épisode du Let's Play. Et comment j'ai revu la scène avec le pompiste et tout, mais il paraît très bizarre. Il paraît bizarre, ce mec. Mais c'est bizarrement, on en parle pas, en fait. Même dans, vous savez, la liste des coupables, là. Enfin, la liste des suspects, pardon. Il était pas dedans, le pompiste. Hein. Pourtant, il était bien chelou. Il était là tout le temps quand il pleuvait. Quand il y avait le brouillard, tout ça. Et... ses paroles étaient bizarres, donc ce qui serait impliqué avec Adachi. Je peux pas m'enlever de la tête tout ce qu'il a dit, le pompiste et tout, donc
Tu vas faire le donjon optionnel? Je sais pas. Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas. Ça dépend s'il est dur ou pas, en fait. Parce que j'ai pas forcément pex. Là, pour le coup. Donc on avait raison depuis le début. Oui, on avait raison depuis le début. Oui, c'était Adachi. Effectivement. Par contre, on sait toujours pas le pourquoi. On sait toujours pas. Alors, sans trop en dire, le jeu te dit des trucs et tu peux deviner la fin du jeu. Ouais, un peu comme... comme dans les autres Persona. Ouais. Enfin, je sais que pour Persona 5 Royal, quand je l'ai fait, la première fois, je l'ai fait une seconde fois, mais genre... peut-être quelques semaines après. Et c'est là que tu te rends compte vraiment... Qui mettent des petits éléments par-ci par-là pour vraiment nous faire comprendre que... pourquoi on en arrive là à la fin, quoi. Donc je suppose que c'est pareil dans Persona 4. Rien que, comme je vous ai dit, par rapport au camion de livraison, finalement, on l'avait depuis le départ, quoi. Il était sous nos yeux, en fait, le camion. Il était sous nos yeux. Et pourtant, on n'a pas fait gaffe à ça. Je m'en suis même pas souvenu. Je m'en suis même pas souvenu de... Je m'en souvenais pas. Quand on a eu la fameuse scène avec justement le camion de livraison avec Dojima qui poursuivait Namatame, etc. Je m'en souvenais pas du tout quand on avait vu le camion au tout début du jeu, quoi. Donc ouais. Bah, j'essaie de me souvenir et tout de certaines choses, machin, mais. Perso, la fin de Royal ayant fait PKG avant, bah, j'avais capté Day One pour l'antagoniste de la partie Royal. Ah ouais. Ah. Bah, si je me souviens bien de Royal, du coup. C'est sans doute. Ouais. Je vais pas. Non, je vais rien dire parce que ça peut spoiler. Mais ok, je vois. Quelqu'un qu'on s'attend pas, en fait. Le vrai coupable. Ça se trouve, c'est pas Adachi le vrai coupable ou... Enfin... Il y a des indices un peu gros, ouais. Ouais, bah maintenant que tu le dis, ouais. Et c'est vrai que quand j'ai refait, justement, Royal après... Après avoir fini une première fois le jeu, ouais. T'avais les indices. Et c'est dingue, parce que tu faisais pas forcément gaffe la première fois. Sachant que moi j'avais pas fait de Persona avant. Persona 5 Royal c'était vraiment mon premier Persona. Donc j'avais pas forcément les réflexes en fait. De comment ils écrivent l'histoire, etc. Donc pour moi j'avais pas vu forcément. Je me doutais qu'il allait peut-être avoir quelque chose. Mais j'avais pas forcément vu directement tous les petits éléments qu'ils ont mis. Ah, attendez. Attends. Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Ça me fait mal pour You. Ça me fait mal pour lui. Oh. Ouais, on va sauvegarder. Ça me fait trop mal pour lui. Tac, on va remettre en... On va se remettre in-game. Et on va faire une petite pause. On va faire une petite pause. Histoire d'encaisser un peu tout. Et encore, c'est pas fini. C'est pas fini. Voilà. Tac, je vais remettre la musique, vous inquiétez pas après.
Mais ouais, ouais. Fou. Cette fin, par contre, là. C'est vraiment pour te rappeler le choix que t'as fait, quoi. En mode, t'as vu ce que t'as fait? Damn, il veut savoir. Je vais boire pendant la pause. Ok, ouais, écoutez, on se met en pause 5 minutes. Et puis après, on revient pour poursuivre réellement, entre guillemets, l'histoire. Voilà. Allez, à tout de suite!
Et boum! Et re! Re tout le monde! Est-ce que vous êtes prêts pour la véritable fin? Enfin, ouais! La véritable fin! 3 secondes, oh, ça va, ça va! C'est 3 secondes! Oh là là! Toujours! Bah c'est parti! C'est parti, hein! Cette fois-ci, non, on va pas être le complice d'Adachi, hein, moi je vous le dis. Hein. Non. 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 Certainement pas. Hop, on fait passer ça. Ta-ta-ta-ta-ta. Et voilà. Par contre, ouais, j'y pensais pendant la pause. Le jeu, il est bon quand même pour te dire accepte tes choix. Tu vois, assume tes choix aussi. Il te le rappelle sans cesse. Tu as fait ce choix. Maintenant, tu assumes les conséquences. Il est bon quand même. C'est pareil dans Persona 5. Je suppose que c'est pareil dans Persona 3. Et je suppose aussi pour SNT. Donc... Tola Dachi. Ça en passe. Et là, cette fois-ci... On va parler d'Adachi à vos amis, à nos amis. Vous avez parlé d'Adachi. Hein? Ah, non, je t'en ai donc acheté. Adachi Keiji, desuka. Tashkani, keisatsu kankeisha toyu no mo hitotsu no kangai kata desu ne. Mokugeki shougen ga fushizen ni sukunai koto no setsumei mo tsuku. Namatame no toraku ga shougen ni denakatta no to onaji desu. こんな小さい町じゃ、いろんな人に私的に顔知れてたりもすんだろうしな。ちさ。まして、肩書きが刑事じゃ、怪しい人物としては浮かんでこねえな。Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait comme le camion de livraison qu'on n'a pas fait gaffe en fait. C'est exactement pareil. あるいはそれを利用すれば、情報を隠すことだって可能かもしれません。そっか。聞いてると一応ありだな。Comme la fameuse lettre qu'il n'a pas donnée. Malencontreusement, il l'a pas donnée. Kedo, te koto wa tsumari Adachi-san kamo te koto? Adachi da ze? E ni kaita mitai na ano hetare keiji da ze? C'est une façade. Ore tachi hontou ni shinsou ni chikazuite ru? Fais-nous confiance, Yosuke, s'il te plaît. Jitsu wa sono Adachi keiji ni tsuite desu ga. Ah, Naoto a des dossiers? Nan touyou ka. 実は以前から何かがどうも引っかかってて。ああ、l'a remarqué quelque chose? 引っかかる?ただの気のせいかもしれないし、何とも言えな。なあ、vas-y, Naoto。クシュッ!トミニョン。いやー、寒い。もう十分冷えたよな。中戻ろうぜ。faut qu'elle dise ce qu'elle pense。あ、足立さん?そんな、だってあの人、山のアナの身辺警護だって言って。うん。まさか、来ていたんですか?山野さんがうちに泊まってた時、マスコミが宿まで押しかけたの。その時、足立さんが身辺警護って来て、有名人は大変だって中井さんが話してた。え、なぁ。Pourquoi nous l'a pas dit?Enfin, on s'est douté que c'était Adachi et tout, mais... Il l'avait dit, ça? Elle l'avait dit, Mikiko? Je m'en souviens pas. Shinpen Keigo... Shukuhaku wa shinakattan desu ne. Adachi-san... Yamano Anna no koto shitteta no kana? Nope. D'accord, ça avait pas été dit. D'accord. Damn! Ils auraient pu le savoir dès le départ, du coup. Ils auraient pu se douter... Oh. Enfin, c'est con. Yamano Anna no koto wa wakannei kedo. Aitsu ni koe kakerareta onna, kurasu ni iru rashii ze. Hiruma kiitan su yo. Ah bon? Ma, keisatsu nanza anna mon te omotteta shi, kankei ne te omottetan su kedo. Oh là là... Dites-nous tout. Yamano-san no shitai hakkensha de aru Konishi-san ni mo, Adachi Keiji wa nando mo choushu shite imasu.情報が少ないゆえだと聞いてますが、アリバイの固い発見者を
何度も聴取するというのも不自然ですね。Oh là là, c'était en fait c'était sous nos yeux, hein. À tous. 他に目的があったとか？ En fait, même eux, ils auraient pu finalement se douter de quelque chose. Mais c'était tellement pertinent en soi que, vu que c'est un inspecteur, il interroge les gens, etc., qu'ils s'en sont pas rendus compte, en fait. Ah, c'est dingue. Miou, Kiwi, comment tu vas? Ça fait plaisir, comment vas-tu? それが二人と足立さんを結ぶ線。考えてみりゃ、足立さんと俺らって結構いろんなとこで会ってるよな。まあ、on le croisait tout le temps。その度言い過ぎちゃったとかって警察の内情話してたけど。Mais voilà, c'est exactement ce qu'on disait en fait. C'est exactement ce qu'on disait. あれって俺たちを踊らせるためだったとか。脅迫状だって簡単にポストに入れられる。っていうか証拠隠滅もできるよね。Mais oui。On avait raison depuis le départ. Nos théories et notre analyse étaient bonnes depuis le départ. Les particularités étranges concernant Adachi ont commencé à le pointer comme un suspect. Ça va, merci. Yes. Tant mieux. C'est clairement lui. Tonigaku, à quoi de canoncer ni sugimasen shi. Bon, nous on le sait. Sugini kakunin shita hou ga ii desu ne. Mais c'est vrai qu'il faut des preuves. Domo, au sewa ni natte masu. Jiken no koto de sukoshi kininaru koto ga aru node, Adachi keiji to renraku ga toritai desu ga. Oh. On va directement lui demander. Eh? Hanso? Kore kara? Hai. Domo. Hanso tte Adachi keiji wa namatame no hanso junbi de byouin ni itte iru sou desu. Oh. Les choses s'enchaînent très vite maintenant. Vous sentez que vous vous approchez de la vérité. Et Teddy, il est pas là. Il est toujours pas là. Lien social chercheur de vérité atteint le niveau 4. Cher Adachi. あれ君たちなんでこんなとこに？そうだ、堂島さん知らない？病室から抜け出したって言われて。いくら釘刺してもすぐどっか行っちゃうんだから。やれやれ、生ための搬送も終わったし、これで帰れるはずだったんだけどな。Ouais, on t'avait hâte de rentrer à la maison。搬送終わったんですか？前から思ってましたけど、ずいぶん急ぐんですね。Yes, vas-y, Naoto, vas-y. え？ああ、だってほら、堂島さんや奈々子ちゃんとこのまま一緒じゃさ。Ouais, hein. Lui, pas toi. 君たちだってその方が良かったろ？ Non. Enfin, on pense la même chose, mais pour toi, en fait. それより君たちこそ何しに？奈々子ちゃんの病室はこっちじゃないよ。堂島さん来ないうちに帰った方が良くない？また捕まっちゃうよ。Il essaye de nous faire partir. Il a cru qu'on voyait pas son jeu, tu sais. Oh oh. Adachi, 生ためはどうした？なんだか今日はえらく騒がしかったが。堂島さん、こんなとこで何やってんですか？生ためならもう搬送しましたよ。報告しようと思って探してたのに。搬送しただ？おい、誰がいいと言った？やつにはまだ聞きたいことが残ってんだ。Donc c'est Adachi qui a... OK. Qui a déclenché le transfert. 堂島さん、勘弁してくださいよ。Ouais, c'est vachement rien. 最初の2件の殺しが引っかかるんだ。Ah! やつは動機もいまいちだし、アリバイも固かったはずだ。Ah, Dojima, yes.証言で埋まった穴も多いが、そこだけは未だに引っかかる。まったく刑事の勘ですか。Le fameux flair de détective, il en a parlé dans le premier épisode du Let's Play.
Il en a parlé parce que Dojima il se posait des questions justement sur le meurtre de Saki et Mayumi. Et Adachi il fait oh c'est votre flair de détective et tout. Et comment Dojima il a pas répondu, il s'est retourné et après il a fait ses bails quoi. Là du coup c'est exactement ce qui se passe là actuellement là. Dojima le retour, yes. Cher Dojima. Même lui il se pose des questions quoi, ça c'est bien. Mais bon, je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Tu es en train de me faire. Tu es en train de me faire. Gêner la police? T'es sûr que gêner la police? Pas plutôt gêner toi? Nanda yo. Est-ce détective? C'est lui que je vais devoir travailler aussi sérieusement. Haché. Yada na! 僕はいつだってちゃんとやってますよ。 堂島さんも自分の仕事してくださいよ。 おとなしく怪我を治すって仕事をね。 Et bienvenue au Renards. Bienvenue à vous. J'espère que tout va bien. お前ら、こんなところで何してる? On va interroger Adachi. 確かめたいことがあってきたんです。 Adachi-san-ni. Vous devriez interroger Adachi. Ah. Bah sur les deux. Sur la disparition de Yamano, sur l'interrogatoire de Saki. Tout sur l'interrogatoire de Saki. Choshu, sore ashita yo. Itai no daichi hakkensha dakara ne. Ouais, mais n'oubliez pas ce qu'elle a dit Naoto. Elle avait un alibi en béton. Et pourtant, il arrêtait pas de l'interroger, apparemment. Sur la disparition de Yamano. Yamano Mayumi a quitté Toki no koto. Quitté Toki te yuarete mo nan tomo. Mite ta wage ja nai shi. Nan kagetsu mo mae no koto da shi. Kyū ni omoidase te yuarete mo na. Il l'accompagnait. Kikitai koto te sore kai? Vous devez encore interroger Adachi à propos de quelque chose. Ouh, rentre dans le vif du sujet là. Sur la lettre d'avertissement. Oh, la fameuse qu'il a pas donnée. Ouais. おい、覚えてないだ。さあ、いえ、ピタン。はらら。あれは鑑識と組んで調べるようにってお前に渡しただろう。忘れたのか? Là, Dojima, il est présent. Il est mort. Il est foutu, Adachi. Il est foutu. あ、すいません。あの後すぐ堂島さん事故ったりして慌ただしくなったもんで、つい。 Il est foutu. Go, go, Dojima. Yes. Oh là là. Ça fait plaisir. Même Dojima, il va être de notre côté, là. Dojima-san, soro-soro, byoshitsu modotte kudasaiyo. Sonnandakara, kega naonnai ndesutte. Il perd son sang-froid. Kimitachi mo, tototo kaeri nasai. Daitai ima nanji da to omotteru nda. Ja, boku wa modorimasu yo. Chou ni modotte hōkoku shinakya naranai nde. C'est ça, casse-toi. T'as peur, il a peur. Sono mae ni. Saigo no kakunin wo sasete kudasai. Vas-y, Naoto. Saisho ni korosareta futari wa, jitsuwa namatame no shiwaza ja nai to hakkiri wakattan desu. Je dois aller cacher les preuves. Exactement. Yes. Adachi-san, shirimasen ka? Oh, j'aime bien Naoto. Nani o itteru no ka imi ga yoku. Ça me fait tellement plaisir de le voir dans le mal. Ah là là, ça me fait plaisir. Temeenanjaneka tte itten da yo.
バカ言うな。あ、これはリディギュル。そんなの、生ためが全部入れたに決まってるだろ。今、なんて。あ、と。Les a tous poussés là-dedans? Il s'est cramé! Let's go! Let's go l'achever! Zenbu ireta? Achevez-le! Achevez-le! Ireta toka irenai toka tte no wa nan no hanashi da? Allez-y! Omae, Tenguchi ni tsuite nani ka shitteru no ka? Oh, Dojimakisume, oui! Masaka, kono mae no テレビがどうとかってあの話そうか今わかりました Yes 足立さん実は僕は過去のあなたの言動の何かがずっと引っかかっていたんですあ何とはわからなかったが違和感があった堂島さんの事故現場で僕が生ための日記を読んだ時のこと覚えてますか未遂で助かって世に出なかった3件目以降の被害者も書かれてると僕が言った時Yes 足立さんあなたはこう言ったんだ何が決まりなんですかあの時警察はまだ事件に未遂のケースがあったなんて知りもしなかったそうだおかしいじゃないですかしかも数日消息がつかめないなんて無数にあることだ。なのに僕が読み上げた名前に異論が出ないのもおかしい。C'est vrai。答えてください。足立刑事。ボーン !Headshot。Merci, Nodo。Elle l'a achevé。Ah, je l'aime, Naoto, je l'aime。知らないよ Bah, dis donc, on perd son sang-froid?Oh bah dis donc Ouais, t'étais occupé, ouais. On pense tous au moment qu'on a passé, Junes, tout ça. T'étais vachement occupé, ouais. Effectivement. Fuyons. Ah bah. Oh, Kanji. Adachi. Non, Dojima. Adachi!Le pauvre Dojima qui est en train d'encaisser en mode mais qu'est-ce qui se passe? Oh le bâtard. Chopez-le! Chambre d'hôpital de Namatame. Adachi n'est pas là non plus. Putain, il est allé dans la chaîne de minuit. Il est allé dans la chaîne de minuit. Il s'est barré. Bah là, il l'a prouvé directement. Chikusho, doko e kiyagattanda?いたか。あ、oh, il me fait de la peine, Dojima. 警備室に問い合わせた。誰も私を見てないし、この病棟からは出てないはずだ。どうやってる？必ずまだその辺にいる。ここから出てない？探したけどどこにも。ラテレ。あの野郎。堂島さん。まったくあなたって人はすまんちょっと動きすぎたあ、oh, il me fait de la peine とちま直す気あるのこれ以上やったら交渉残りますよこの前も大変だったの忘れたのそうだったなすまん頼む足立を見つけてくれこのままってわけにはいかないから出てないってまさかとは思うけどうん多分そうだと思うだって犯人なら入れるはずでしょうんうんうん bon je vais vous laisser bonne fin de stream ça marche Nafuki ça marche merci beaucoup d'être passé ça fait trop plaisir et puis je te souhaite une bonne nuit enfin une bonne soirée plutôt bonne soirée à toi et bisous こっから中に入ったってこと逃げた方、全部見て回ったからな。狭いし、見逃さねえよ。相当追い詰められてましたから、中へ逃げ込んだ可能性もあるでしょう。でも、これでもし中にいるとなれば、逆に動かぬ証拠です。
野郎、マジかよ。で、どうするんすか。あ、ah, qu'est-ce qu'on fait ? On y va maintenant, on y va demain ? Je sais pas. Faut y aller maintenant ou... On y va maintenant, on y va demain. On a sauvegardé. Si tu vas demain, il sera barré, je pense. Bah, ouais. C'est ce que je pense aussi, ouais. Bon, on y va maintenant. Non ? Ah ! Bon. Comment ça, on n'est pas sûr à 100%? Enfin, pour moi, il n'y a pas de doute, en fait. Enfin, je... Oui, c'est vrai, on ne sait pas où on arrivera, mais... Et sachant que dans la mauvaise fin où on tue Namatame... Enfin, voilà, quoi. Il est dans la chaîne de Mini, il est avec les ombres et tout. Donc, c'est-à-dire qu'on atterrit où il y a les ombres, quoi. Il aurait fait quoi d'autre? Il serait passé par la fenêtre? Oh, bah, écoute... Bah, la fenêtre, elle a pas l'air d'être ouverte, là. Hein. J'ai pas l'impression, donc... À moins qu'il est fort, il a fermé la fenêtre avant de sauter, tu sais. Je sais pas. Itsumodori, hirini junes kara iko. Daijoubu. Banzen ni shiteikeba, anna hetare otoko, ichigeki datte. C'est-à-dire qu'il va rester tout le temps dans la chaîne de Mini, là. Il est sous le lit, là. Il s'est caché en mode... en mode tum-tum. Ah là là. L'inspecteur très suspect, Adachi, vous avez fait un pas de plus vers la vérité. Difficile à dire vu que les rideaux sont tirés. Bah, Chi, elle a regardé, elle a dit que c'était fermé, il me semble. Et la dernière fois, Namatame, par contre, c'était ouvert, je crois. En fait, il est debout sur le bord de la fenêtre derrière le rideau. Putain, il est fort hein, quand même. Il a dû faire de la gym quand il était petit, je sais pas. Vous séparez pour aujourd'hui et retournez tous chez vous. Tadaima ? Bon. On se garde. Okaeri. Non mais Nanako, elle va bien aller, je suis sûre. Elle est en forme. Même pas tout de suite, mais... Trop de choses se sont passées aujourd'hui. Vous êtes très fatigué, tu m'étonnes. Vous devriez retourner dans votre chambre et vous reposer afin de poursuivre le véritable coupable demain. Il s'est passé tellement de choses aujourd'hui. Vous êtes très fatigué. Vous devriez vous reposer aujourd'hui. Reposer. Oh, Teddy! Dans la chambre de velours, tiens. Dans Velvet Room. C'est... Pourquoi c'est un fantôme? Il semblerait que vous soyez à nouveau rendu dans la chambre de velours dans vos rêves. Mais il y a quelque chose de différent cette fois. Vous ne voyez pas Igor, ni Margaret, ni Marie. Et regardez le brouillard, entre guillemets, en dehors de la voiture. Il est différent aussi. Teddy est assis à l'intérieur, inconscient de votre présence. Je ne sais pas. Je crois que c'est un rêve. Je pourrais te poser la même question. Marie, ouais. Ouais, Marie non plus n'est pas là. Bizarre.
だけど気づいたクマよ。クマは今まで自分が誰なのかずっと考えてきた。けど見つからなかった。ふう、最初から誰でもなかったクマ。メノ。あっちの世界には人間、こっちの世界にはシャドウ。最初からそれだけクマ。クマはあの世界にいた、ただのシャドウだったんだクマ。Tout le monde est inquiet. Comment t'es arrivé ici ? Juste une ombre. Non, on va rester. Tout le monde est inquiet. Sensei wa itsumo yasashii kuma ne. Kizuita kuma yo. Ano hi, byouin de kuma wa yappari nani mo dekinai nda tte. Sou omotta totan, ishiki ga toku natte, kizuita ra kirin no naka datta kuma.シャドウは人間の世界にはいられない。いちゃいけないクマ。どこまで歩いても何もなくて、もうどこにも行けないって思ったとき、車の音が聞こえた。そしたらここにいろいろなことを思い出したクマ。クマの世界は人の心が影響する世界。Yes. Yes. Je m'en doutais un petit peu. その世界で生きて。On en avait parlé un moment de ça. 一匹のシャドウに人の気持ちが芽生えたクマ。でも、人とシャドウは全く違う存在。だから、そいつは自分がシャドウってこと自分で忘れたくは。忘れたくて。人に好きって思われたくて。だから、こんな格好になったんだくは。まあ、いっぱいある理由も。本当、頭が悪いくまね。En fait, finalement, il a une conscience, tout ça. Non, t'es toi-même. もうすぐただのシャドウに戻ってしまうクマ。No. そうだ先生、いつか天国のナナちゃんに謝っておいてほしいクマ。Ah, il pense encore que Nanako est morte. Mais non, elle est vivante. Elle est vivante. Faut qu'on lui dise. 何もできなくてごめん。ごめんなさい。Nanako est vivante. Vous avez raconté à Teddy comment Nanako s'en est tirée. Nana-chan ga. So kuma ka. Yokatta. Honto yokatta kuma. Sore dake kikete yokatta. Comment ça, avoir sommeil ? Comment ça ? Koko wa fushigi na basho kuma ne. Nanka ochitsuku っていうか kuma no sekai to mo chigau. Nanika sukoshi natsukashii kanji ga suru kuma. Non. Non, 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 non. Il va pas mourir. Non. Non.もしかしてここは先生の夢の世界クマか。Quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je pourrais poser la même question. そうクマか。でもクマはどうしてここで先生と出会ったんだろう。クマこれからどうしたら。Je ne sais pas. Avançons ensemble. Tu peux rester ici. Avançons ensemble. でも何をどう探せばいいかわからないクマよ。
クマの頭じゃ考えてもわからないことだらけ。でも一個だけわかったクマ。Vous pouvez sentir la reconnaissance profonde et sincère de Teddy. Errant Max. Tu es moi et je suis toi. Tu as établi un lien sincère. Ces liens sincères seront tes yeux pour voir la vérité. Nous t'accordons la faculté de créer Elel, la forme ultime de l'arcane étoile. Le lien social Teddy a atteint son niveau maximal. Vous avez terminé le lien social Teddy. Yuna Lukami a forgé un lien qui ne peut être brisé. En terminant le lien social étoile, vous pouvez maintenant fusionner Elel. L'évolution du cœur de Teddy a également affecté sa persona. Kintoki Doji a appris Esquivelec. Son... On le sent. Qui t'a dit que t'avais pas le droit? Sayonara, sensei. Oh. Merci pour les GG, Kilak. Merci beaucoup. Avant même que vous ayez le temps de réagir, Teddy est parti et Igor, Margaret et Marie ont repris leur place habituelle. あなたがここに迎え入れたものは言葉だけではなかったようですが、ここは育むべき自我を持つお客人のための部屋。自我から離れた片割れでしかないシャドウなど近寄るべくもない場所。止まってしまった一つの石が水の力に動かされ、再び流れの中へと戻る。大変興味深い。 Igor arbore un sourire expressif. そろそろ出発するといたしましょう。車はまだ旅路の途中。ここに長居は無用でしょうから。マーガレット。準備が整いました。発車いたします。 Oh. やはりあなたは見込み通りの素晴らしいお客人のようだ。さあお戻りなさい。私も一層楽しみになってまいりました。ではまたのご利用をお待ちしております。 Ah, encore cette... C'est ça aussi que je voulais vous dire. Vous avez vu que le fondu en noir là, un peu, il y avait exactement la même chose au tout début du jeu quand on était dans la chaîne de minuit et qu'on a rencontré une personne et c'était un brouillard clair comme ça et il y avait un genre de fondu comme ça bizarre, noir, exactement pareil. Comment était-ce ? クマ君、いましたか? いないし、誰も見てないって。 もうバカ、ほんとクマなんだから。 事件山場だってのに。 仕方ありません。 今はとにかく、足立を追いましょう。 前より全然ひどいね。何これ。どこもかしこも前に来た時よりずっと嫌な感じ。急いだ方がいいかも。ちょっと待ってて。足立のやつ探してみる。 俺らの世界もこっちもどっちも変になってるってことか。
外の霧にもこのメガネ効くんだもん。普通じゃないよ。霧のせいで具合悪くなったって人結構増えてるみたいだし、これからどうなるのかな。いる、足立、こっち側にいる。そうでしょ。マジか、どっちだ。待って、やはり自分からテレビの中に。決まりですね。この事件を引き起こした張本人は彼と見て間違いないでしょう。彼を捕まえればこの世界の謎も事件の謎もきっと解けていくはずです。じゃあ熊くんの生まれのことなんかもなんかわかるかもしれないね。たく、こんな時にあいつ。熊はこっちにもいない。ダメ、足立もいるのはわかるけど足取りうまくつかめない。もう熊、この肝心な時になんでいないのよ。Oh. Quoi ? Tiens donc. Soka, finalement, on est revenu. Ici, on est là. Kuma n'a pas de rôle à jouer. Oh. Nana-chan. Désolée, Kuma. Kuma-san ? C'est vrai, Kuma-san. Oh. La voix.聞こえたよ、頑張れって。お兄ちゃんたちの声も。ナナちゃん待ってて、すぐお医者さん呼んでくる。また眠ってしまったようですね。あのナナちゃん、さっき僕の声が聞こえたって、頑張れって。あの時奇跡的に持ち直したのは君やみんなの声が届いたからかもね。意識がなくても声は聞こえているものだから。僕やみんなの声、みんな。とにかく彼女の症状は原因も何もかもよくわからないことだらけでね。もちろん最善は尽くしているけれど、今のところ具体的なことは不明としか。決めてん不明。それじゃあ、また何かあったら。もしクマが不明な存在ならどんな風に変われるのかも不明。それならクマが自分で不明じゃなくしていけばいいんだ。ナナちゃん頑張ってる、きっとみんなも今頃頑張ってる。僕はただのシャドウだけど、僕の声でナナちゃんも元気出してくれた。シャドウだからってなんだ、僕にもできることがきっとまだある。考えることやめちゃダメだ。だからここに戻ってきたんだよね、ナナちゃん。La forte volonté de Teddy lui ayant permis d'accepter de surpasser sa faiblesse a éveillé le vrai pouvoir de son cœur. Le personnage de Teddy renaît. Kintoki Doji s'est transfiguré en Kamui. Souda, minna no tokoro e modoranakya. Kanbaru kuma yo, Nana-chan. Mata. Dame.わかるの相変わらず気配だけ。足立の場所はわからない。リセちゃん、クマがいたらな。あいつもう鼻効かねえんじゃなかったか。探知の役に立つんか。立たないけど、なんだかんだ言って支えてくれるっていうかさ。騒がしいけど明るくなれるね、いつでも底抜けっていうかさ。Bonne compagnie, des fois. L'accentuée. Mais. Il est toujours en train de se faire. D'accord. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de temps.
仮に場所が分かってもまともに戦えません。夜も近づいてきています。一旦外に出ましょう。くそ、ここまで来て立ち往生かよ。あそこにいんの分かってるのに何よ、私の力全然役に立たないじゃん。クマ、お前どこに行ってたんだよ。Par contre, te cacher comme ça, ça fait un peu peur. Là, pour le coup, ça fait un peu pédobère. ごめん、クマ。Stalker, ouais, ouais. Où sont Naki? Baka! Gromel, Kuma! J'adore le. Attends, tu fais semblant ou c'est vrai là? Mata, Ishuni Gambara, c'était Roshi, Kuma! C'est vrai, Yakaseyagate, Kono Kuma Go! Gromel, Kuma! Kuma, Hiruro, Wakatanda!自分のこと、あの世界のこと、みんなに聞いてほしい、クマ。Vous écoutez la confession de Teddy puisqu'il comprend enfin qui il est. Qu'il était une simple ombre. Et même s'il était au bout du rouleau, il avait pu revenir dans votre monde. Shadow って、あの、私たちが戦ってるやつと同じってこと？みんなが知ってる通りのやつだ、クマ。シャドウは抑圧された人間の精神そのもの。誰の中にもあるもの、クマ。けど、お前はシャドウなのに、俺たちを襲わなかったじゃんか。あの中を平和にしたいって、確か初めからずっと言ってたよな。きっと、クマ結局、特別な意味も力もない。クマの世界を平和にしたいと思って今までやってきたけど。それどころか、こっちの世界にまでおかしな霧が溢れちゃった。ごめん。ごめんなさい、クマ。クマの力がもっとすごいものだったら。いいっての、別に。だいたい初めっからお前に特に期待とかしてないっつの。さあ、je sais pas comment je le prendrais ça。今さらシャドウだったとか言われても、やっぱそれ系だったのかみたいな感じだし。Nani sore. Pop pop pop. J'avoue, il a un peu headshot là, Yosuke. Hein. Un petit peu quand même. Kochi wa shinken ni kokuhaku shiteru no ni, yappa shuriki tte douyu koto, kuma ga? Futsu konna purichi na kuma ga shadow nante omowanai de shou ga? Tsuka, shadow da to nanka mondai an no ga? Tashika ni kimi wa シャドウとして生まれたのかもしれない。けれど君にはもうペルソナの力がある。C'est vrai。シャドウとは抑圧下の力であり、自我がそれを制御することでペルソナともなる。なら今の君にはちゃんと自我があるということじゃないんですか？自我がシャドウを制御するか、シャドウに自我が芽生えるか。多分僕らと順序が違っただけじゃないのかな。なんだ、じゃあクマくんってもう人間と同じなんじゃん。クマが人間と同じ？自分が何者なのか考え続けてるのって俺たちと同じだろ。で、大した力もなく特別な存在でもない。それも俺たちと同じだ。Presque pareil. Faut bien préciser le presque, hein. Arigato, Kuma. Mina ni aete yokatta, Kuma. Ma, ore ra motomoto bimyou ni hamidashiteru kaobure no atsumari da shi, omae mo sono hitori tte koto da na.
誰がはみ出し者ですか。Naoto, elle est pas contente. Je crois qu'elle a pas trop apprécié. 先輩だけでしょ。あのな、探偵やアイドルの言うセリフかよ。たく、お前もいつまでも泣いてんなっつの。お前のいない間に真犯人が分かったんだ。山のアナと先輩を殺したのは、あだ。あだち、あのずっこけてか。Le gros nul. Yes, let's go. ほへー、気づかなかったクマ。ほにゃにゃ。けど、みんながよく知ってる人間なのに見つからないとなるとクマにもちょっと。言ったろ、お前にそんなのは期待してねっての。んなことよりどうも盛り上がんねえんだよ。ふさふさしたのがいねえとな。うら。いないとやだ。おい、みんなありがとうクマ。よし、これで全員揃ったことだし、明日から仕切り直しだな。クマも久々に頑張って探すクマよ。Il y a ce qui enfonce le coup. Ah bah toujours, hein. toujours. Vous avez fait un pas de plus vers la vérité. Chercheur de vérité. Puisqu'un nouveau départ vous attend demain, vous avez tous décidé de rentrer à la maison aujourd'hui. Soir. Tadaima. Et on se gare ici. Est-ce qu'on continue? Je suis en train de regarder l'heure en fait, c'est ça le truc. Je suis en train de regarder l'heure parce que... N'empêche, on aura la confrontation d'Adachi, tu vois. Yes, merci pour les GG qu'il a. Merci beaucoup. Pendant ce temps-là, Adachi est en train de camper dans le monde de la télé. Ouais, il se met bien. Hein. Il fait son petit barbecue et tout. Ouais. On a pensé à la même chose. Petit barbecue. Yes. En vrai, j'hésite à terminer maintenant. Alors je sais, ça fait un live un peu court du coup. Mais disons qu'il va se passer certaines choses. Donc j'essaye de regarder, mais ouais. Ouais. Ouais, j'ai bien envie de garder ça pour la semaine prochaine. Ouais. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on va peut-être croiser Adachi. Oui. Je sens que ça va... Ça va être pas mal. Là, déjà, on lui a fait perdre son sang-froid et tout, donc en vrai... Ouais, donc on va s'arrêter ici pour ce soir. Un épisode un peu plus court, mais avec beaucoup de révélations, avec beaucoup de choses. Enfin, un bon petit épisode, tu vois. Yes, cliffhanger. Donc voilà, écoutez. On s'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on continuera, sachant que là, voilà, il n'y a plus de mauvaise fin. Il n'y a plus de mauvaise fin, ce sera que des... ce sera que vers la fin. La fin, quoi, la véritable fin. Voilà, merci pour les lives. merci à vous, surtout. C'est grâce à vous. Donc, ah, par contre, il n'y aura pas de live lundi. Hein. Donc, ça veut dire que Persona, ce sera vendredi prochain. Oui, ça va faire très long à attendre. Ça va faire très long, mais voilà. Quand on va retrouver Persona, ça sera trop bien. Donc voilà.
Merci beaucoup pour ça, de qualité. Merci à vous. Oui, ça va être long, l'attente. Ça va être long. À moins que je mette ça mercredi. Ça dépend. S'il n'y a rien avec Genshin, avec Genshin Impact, s'il n'y a pas de nouvel event, etc., ce sera peut-être mercredi, du coup. Du coup, ça ferait mercredi, vendredi. Peut-être. À voir. Faut que je vois. Voilà. Donc, ce sera peut-être un peu plus tôt que d'habitude. Mais... Parce que moi aussi, j'ai trop envie de savoir la suite. Hein. J'ai trop envie de savoir la suite, mais... Mais voilà. Faut laisser le temps au temps, j'ai envie de dire. Puis au moins, ça donne envie d'y retourner et tout. Donc, ça, c'est cool. C'est plutôt cool. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous fais des bisous. Et pas de patte sur la tête, aussi, c'est important. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine, il y aura le nouveau Let's Play, parce que Okami est fini. Donc, il y aura le nouveau Let's Play, je vous dis pas. Mais comme j'ai dit hier, je ne vous dis pas ce sera quoi, le nouveau Let's Play. Je vous laisse deviner. Mais voilà, il y aura le nouveau Let's Play dès mardi. Voilà, et j'ai très hâte. J'ai très hâte aussi. Donc voilà. Allez, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.